petit peu de pub. Hein, et quand j'ai vu le groupe avec l'accordéon, très très sympa, je me suis dit, il faut que j'y aille. C'est mon copain qui m'a fait découvrir et j'ai adoré par la musique Salut à toi en fait. Je les ai vus 4-5 fois, je les ai suivis dans des grandes salles, dans des petites salles, et puis je me suis dit, le fil, Saint-Etienne, voilà, j'habite dans le coin, donc c'était l'occasion. Voilà. À chaque fois qu'on vient à chaque nouvelle tournée, on rajeunit d'un an, donc on continue à venir les voir et puis on prend du plaisir. Et puis là, cette année, on est venu avec nos petites, qui ont 5 ans, 5 ans et demi, au premier concert. Donc, voilà, c'est... À Paysac, j'ai joué des cuillères avec eux. Oh, c'était formidable. Hein, oh, jamais les froids. J'entends, j'en ai pas en large. Hein. Alors les Ocs, je vous souhaite un très très joyeux anniversaire et puis j'espère que je serai là pour les 30, pour les 40 et pour les 50 et pour les fêter avec vous sur scène. Voilà. J'espère que ma fille viendra vous voir pour les 30 ans et pour les 40 et que moi je serai peut-être encore là. Et surtout que ma petite soit là avec ses futures copines et ses futurs copains. Plein de bonnes choses et des longues vies, une longue vie. Continuez comme ça, c'est super et j'adore. La trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, ils font de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des plans. Elle avait chargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays dictocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi, ce fut le noir. Et dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. C'est vous les meilleurs! Mesdames et messieurs, Vatandog de Barbat, Pierre Perret. À bientôt, salut. Au royaume des Cadenas et la basse-cour est optimiste. À chacun de leur tour de piste, le petit coq est encensé. Pour la crise de l'immobilier, il suffit de mettre en chantier des maisons que l'on fera payer par les pauvres à perpétuité. Les pieds devant, tous au cimetière et en chantant.
chez ma copine, y a un type qui est toujours là et qui squatte sur sa mezzanine pendant que je me retrouve sur le sofa. Il se tape l'incruste comme un salaud, se balade à poil dans le salon, se sert tranquille dans le frigo, je suis à deux doigts de péter les plombs. Car il est tellement sans gêne qu'il me demande régulièrement, sans que ma copine intervienne, quand est-ce que tu vas foutre le camp. Tant pis, tu n'es plus ma copine, je prends ma guitare et mes bouquins, je ferai l'amour et la cuisine, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Eh bien, bon anniversaire, 20 ans, c'était 20 ans, 15 ans, 17 ans, 10 ans, je ne sais pas, enfin, ça fait un petit moment, quoi. Et, en tout cas, bon anniversaire les ogres. Merci, ça nous fait plaisir d'être là depuis tout ce temps avec nous, voilà, de venir sur nos albums et tout ça, c'est gentil. Merci et puis bon anniversaire, les vieux. Pareil. Vous êtes bien plus vieux que nous, quoi. Oui, quand même, ouais. Je suis là pour souhaiter l'anniversaire des petits ogres de Barbac. Mais il y a une chose que j'ai jamais dite encore, que j'avais jamais révélée. Ce sont mes enfants naturels. J'ai énormément de respect pour tout ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Et voilà, je suis vraiment très ému de vous avoir reçu ce soir, d'avoir fêté vos 20 ans avec vous. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et longue vie à vous. On souffle ? Ce que je leur ai demandé avant tout, c'est d'essayer de ne pas chanter mes chansons mieux que moi. Pareil, d'accord, bien comme moi, mais pas mieux. Alors, s'ils tiennent leur parole, eh ben moi je vais tenir la mienne et je vais leur dire bon anniversaire les enfants. Et continuer encore, oh, allez, 50 ans comme ça, comme moi.